Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, ce sera un haul Shein. Ça fait un moment que je l'attends. Je croyais qu'il n'allait jamais arriver. Et puis, aujourd'hui, je ne l'attendais pas, mais c'est là qu'il est arrivé. Bref, j'arrête de discuter, on commence tout de suite. Alors, on a un gros paquet, enfin un gros paquet. Je pense que la vidéo va pas être très 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 longue, mais bon. Je vais faire un peu de bruit, je suis désolée. Je vais chercher un stylo. Que je coupe pas un coup. Ça serait con, mais tout ce temps que j'ai attendu. Alors, les cheveux m'ont dit qu'ils m'ont aujourd'hui. C'est quoi cette tête? Mais sérieusement. C'est tout qui s'est dit. Bref, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je sais ce que c'est. Alors, je sais pas ce que ça va. Ah, le petit. Hop. Oh, c'est doux. Oh, c'est méga doux. Oh la vache. Pardon. Je m'esclaffe un peu. Ouh. On remarque que c'est super petit. Oh, mais c'est petit. Dis-nous, et comment je reprends un nom? Ça rend pas pareil à la caméra, ça rend plus grand. Mais il a l'air méga, méga petit le truc. J'ai pris un combien? J'ai pris un taille S pourtant. Il a l'air méga petit le truc. Qu'est-ce que c'est? Il a l'air méga petit le machin. Qu'est-ce que c'est? Déjà, j'aime pas. En fait, maintenant ils font pas mal. En fait, je voulais un pull comme ça. Puis c'est super doux et tout. Mais le souci, j'aime bien, c'est des plouches là. Et le souci, c'est qu'ils font des pulls courts. Et alors moi, j'ai du bide. Et j'ai mis un planqué. Hein, tous le planqué. On n'aime pas montrer nos bides à tout le monde. Parce que le vent plat, c'est super. Et du coup, on se retrouve avec des trucs petits comme ça. Comment tu caches ton bide avec ça? Alors je vais vous l'essayer. Hein, je sais pas. Voilà. Mais le bide, c'est pas possible. Hein. Si vous que je plante mon bide, ça va être compliqué. Hein. Le montrer à la caméra, ça va être compliqué. Bon, je le passe et je vous montre ça. Bon, alors bon, voilà, c'est bien ce que je craignais. Alors, sinon, les manches, c'est parfait. Il est extrêmement doux, donc je pense qu'il ne va absolument pas piquer. J'aime bien le haut. Bien, c'est pas trop mes cols favoris, j'y arrive. Mais là, bizarrement, j'aime bien. Par contre, je n'ose pas vous montrer mon ventre. Parce que comment vous dire qu'il est hyper, hyper court. Du coup, je suis très, très embêtée. Il est super court. Je ne suis pas sûre que je vais vous montrer. Jusqu'où il y va en fait. C'est pas possible. C'est clairement pas possible. C'est pas possible. Bon, clairement, je pense que c'est au moins possible de vous montrer, mais franchement, c'est hyper, hyper court. Quoi. Franchement, c'est hyper court. Je rentre le ventre, hein. Je vous le dis, je rentre le ventre. Alors, j'arrive même pas à parler tellement je rentre le ventre. Bon, j'ai pas besoin de rentrer le ventre pour pas réussir à parler, mais clairement là, je rentre le ventre à mort. Donc, est-ce que je vais réussir à le porter? Je ne sais pas, mais j'adore, il est hyper doux et tout. Alors pour chez moi, je m'en fous. Entre mon pied et chez moi, aucun problème, hein. Mes parents, tout ça, ça me pose des problèmes. Mais sortir comme ça, non. Déjà, j'ai des bourrelets sur les côtés, c'est pas possible, c'est dégueulasse. Donc, les bourrelets qui sortent des jeans et tout, là, pour celles qui assument, il n'y a pas de soucis, hein, trop bien, bon, je m'en fiche. Mais moi, non. Pas être possible. Donc, on en jette. Je crois que c'est la même chose.
Je ne pense pas. Je vois qu'il me semble que c'est à peu près la même chose. Parce qu'en fait, chercher des pulls, je n'ai plus de pulls en fait à mettre. C'est peut-être ça pour te planter. Je n'ai plus du tout de pulls à mettre. Et du coup, chercher des pulls, j'ai regardé un peu partout et ça ne plaisait pas. Enfin, c'est souvent des sweats, des sweats, des sweats. Les sweats, c'est à 100 minutes, hein, mais au centre d'un ado, déjà, moi, on avait 50, donc ado, on me dit tout le temps, voilà. On dit toujours bonjour mademoiselle, bon j'ai 30 piges, sympa, il n'y a pas de soucis, mais bon, hein, ça va 5 minutes, alors les suites, bah, ça fait un peu ado quoi. Donc il y a un moment où j'aimerais bien trouver des suites, j'ai galéré à en trouver, je me suis dit chez nous, il y a un peu de tout, je devrais trouver, et en fait, bah, pas tant que ça. Du coup j'en ai que deux. Bon, et ça, ce n'est pas un pull, c'est un gilet. Par contre, je vois au moins pas moitié celui-là. Là, il n'y a pas de soucis là. Par contre, maintenant, c'est un peu grand. Ah, est-ce qu'il y a une taille, s'il vous plaît? Il n'y a pas de taille. Normalement, j'ai pris un taille S. Ah, si, là. Eh ben non. Bon, c'est pire, je sais pas écrit. Ah, si. Ils sont tout petits, là. Oui, j'ai pris un taille S. Alors, c'est grand tout petit. Je sais pas si vous allez voir. Parce que c'est tellement petit. S. Par contre, bah, je vais être sécurisé sur le sachet. On en parle de la galerie ou pas? Voilà, c'est toute ma vie. Du coup, je cache mon ventre et je vous montre ça. Alors, tout à l'heure, je n'osais pas vous montrer parce que c'était vraiment petit. Avec mon immobile et tout, mais c'était la bonne taille. Mais là, c'est censé être un S. On s'en parle ou pas? Le truc, c'est pas possible, c'est pas un S. C'est ça. C'est quoi ça? Regardez, on voit les boutons. Sérieusement? Pousse-moi tout. Non, mais sérieusement, les boutons arrivent là. Là, c'est soutif. On en parle ou pas? Je peux pas me promener comme ça, hein. Soutif à part comme ça, là. Soutif à part, je vous montre pas parce que je sais pas, c'est pas possible. Mais sérieusement, mais c'est transparent en plus. Donc c'est quoi cette blague? Alors entre un truc trop grand et un truc trop petit, je fais quoi moi? Je vous dis, encore je me dis sur chez nous, bon, je vais avoir un souci, je vais trouver ce que je cherche en fait. Ouais, on en parle du trop grand ou trop petit. Du coup, en fait, ni l'un ni l'autre, tu pourrais le mettre en fait. Et en plus, c'est là, il pique. Oh, il est moins doux que l'autre, il est d'une douceur. Mais tu vois, il pique. J'ai intérêt à mettre autre chose en dessous en fait. De toute façon, oui, tu vois. De toute façon, j'ai pas le choix que je mette autre chose en dessous, je peux pas me promener comme ça dans la rue, déjà c'est hyper transparent le truc. Bon, j'ai pas le bon soutif. Et j'ai pas le bon soutif de ma veille déjà. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. La taille du machin. C'est pour ma mère, autant que. C'est tout doux. J'ai mes cheveux qui sont là mal là. Deux minutes. Et un truc plus entraîné. C'est un problème. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Il n'est pas encore en état, mais j'ai fait le retour, donc c'est... On va dire que ça ira. Ah oui, ça je vais trouver. Du coup, j'ai acheté... Je sais pas ce que ça va... Pourquoi on met ça? Si quelqu'un sait pourquoi ils nous mettent des... turbos de...
dirais, bah dites-le moi, parce que franchement, du coup j'ai acheté une housse de canapé. Ah ben on va aller emballer. Ah oui, donc ok, et pour qu'elle prenne au moins de place, j'arrive pas à parler. Oh, cette tête. Je me fatigue, je peux pas vous imaginer comme je me fatigue, je vais me couper avec mes ciseaux. C'est vraiment pas ma journée. Ouh, je dors la matière. Par contre, c'est chaud, mais c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, on a les mousses de coussin. Oh. Mais vous verrez la matière. Je sais pas si vous pouvez voir la matière, mais je sais pas ce que c'est la matière. Je sais plus. Chine, mettez des étiquettes ensemble, ensemble. Mettez des étiquettes au bout de moi. Oh, si je trouve la matière fumée, j'adore. La tête dans le... Oui, pas d'étiquette, non. Retourne-toi, mon bruit. Merci. Oh là là. Oh, oh j'ai un j'en ai deux, non j'en ai deux. Ah quoi. Ok, ça c'est pas cool. Non, mais tu... C'est pas très gentil. C'est pas gentil, pas gentil. Bon, tu viens, pas de coussin, mais deux. Oh, qu'est-ce qu'on a là. Quel bon bruit, forcément, c'est un chinois. C'est logique. On a vu la galérienne que j'ai mis une housse sur un canapé comme ça. Comment ça se passe? Je sens que je vais galérer. Je vais vous mettre une. Je vais vous imposer une photo. Si j'arrive à le mettre. Si j'arrive à le mettre, je vais vous. Oh putain. J'arrive pas à parler. C'est un truc de dingue. Dans chaque vidéo, je vais le dire. Je vais vous mettre une vidéo si j'arrive à le poser. C'est pas gagné parce que j'ai peur que ça soit trop petit. C'est chimie, hein. Trop petit ou trop long. Hein. Et là, on est sur du trop petit. Nice day, welcome. Alors, c'est des petits motifs comme ça. Je trouvais ça trop beau. Et du coup, je l'ai testé sur mon canapé. En fait, mon salon sera au New York. Et je trouvais que ça allait bien se marier, en fait. La couleur et tout. C'est surtout parce que New York, c'est pas mal. Ils font pas mal en noir et blanc, en fait. Et du coup, je trouvais que le gris comme ça. Je sais pas, il y avait un truc qui allait avec en fait. Ne me demandez pas. Hein. Cherchez pas. C'est moi. Et du coup, je vais vous montrer les motifs avec le petit. Hein. Bon, il n'y a pas les écritures, mais. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que les feuilles ont à voir avec nous là. Rien du tout, je vous le confirme. Mais je sais pas si la couleur, le truc, genre. Cherchez pas. Alors je vous impose la petite vidéo pour le l'essayage de la housse du canapé. Et comme vous pouvez le voir, ça ne va pas du tout. Et en fait il me manque un truc pour bloquer ici. En fait j'ai rien au milieu moi. Il n'y a rien du tout là. Et en fait là vous voyez pas bien, mais on regarde de côté. Hup, hup. Et j'ai un petit souci de. Bah là en fait voilà, alors que ça devrait être comme ça en fait, ça devrait être bien plat, enfin bien enfoncé dedans, et en fait moi bah ça ne va pas parce qu'en fait j'ai pas de creux au milieu, du coup bah je pense qu'elle n'ira pas. Voilà, faut que je trouve une solution pour faire tenir vraiment vraiment au centre là, que ça se pose bien.
Parce que là-bas, ça remonte en fait. Bah voilà. Du coup, la housse, ça ne va pas. Tant pis. Tac. Et du coup, attention. Alors là, voilà de assurer. Je vais tester. Des perruques. Parce que. En fait, je voulais. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon. En fait, je voulais. Je vais y arriver. Je voulais tester. De faire une couleur, en fait. Et. Bah, j'ai jamais passé le. Ça. J'ai jamais sauté le cap. Parce que j'ai toujours peur que. Que ça m'aille pas, en fait. Et j'ai eu l'air bête. Du coup, j'ai pris une comme ça. Au pire, c'est bon. Tu me diras, ça a bien camouflé le lien, je pense. Bon, je sais pas, les nids sont peut-être plus longs, en fait. J'adore. Par contre, c'est du faux, hein, ça. On va pas se mentir. Hein. C'est du faux. Hein. Ouais, c'est pas la même texture que le bois. Mais bon, elle est pas si moche. Elle est pas affreuse, hein. Bon, par contre, on va bien se marier parce que je ne sais absolument pas mettre ça. Je ne sais pas du tout mettre une perruque, j'en ai jamais mis ma vie. Je ne sais pas du tout comment on les met, je ne sais pas à quoi servent ces petits trucs-là. Oh putain, c'est des trucs que j'arrive pas à accrocher toute seule en plus. C'est des trucs que j'ai une braine pour accrocher toute seule, c'est machin. En plus, mes cheveux, c'est ce qu'on fait. Je laisse comme ça. Bon, alors voilà, ça ne va pas du tout. Je savais que ça allait être une rigolade, mais alors là. Regardez-moi cette tête que j'ai. Déjà, je ne sais pas absolument pas la mettre. Je ne sais pas du tout comment on met ça. Et en plus, ça ne va pas du tout à mon visage parce que j'ai un petit visage et là, la perruque, elle me va sur la tête en fait, carrément. Elle me va sur les yeux carrément en fait. Du coup, je ne sais pas comment la mettre. Je ne sais pas comment on met ça. En fait, j'ai les cheveux dans les yeux directement quoi. Et si je tire en fait, bah, on voit les racines, c'est pas possible. Je peux même pas les mettre derrière les oreilles en fait. Ou je sais, ça va être des yeux. Ouais, ou alors. Parce que elle est mal mise en fait, je sais pas. En fait, je sais pas mettre une perruque, j'ai jamais mis une perruque de ma vie. Je ne sais absolument pas mettre une perruque. Et du coup, c'est pour ça que ça fait dégueulasse, je sais même pas où sont les bidules là. Déjà, j'aurais dû m'attacher les cheveux, ça aurait été plus intelligent. Ou bien se rendre compte, mais de toute façon, ça me va pas quoi. La coupe est dégueulasse, la couleur ne va absolument pas, c'est horrible. C'est horrible. C'est ignoble. Sérieusement, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête de vouloir faire ça? C'est ignoble. C'est ignoble. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui me passe par la tête? Ça va pas du tout. Cette couleur ne me frappe absolument pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ignoble. Pourquoi j'ai acheté ça? Oh non, ça va pas. Hein. Oh, ça va pas du tout. En plus, ils me reviennent toujours dans la tête, quoi. Ça va pas. Non, mais c'est ignoble, ignoble. Ignoble. Je suis obligée de mettre comme ça déjà, mais ça va pas du tout. Ça me va pas. C'est pas bon. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, mais c'est immonde, immonde. J'enlève ça tout de suite. Ah, tout de suite. Pouf. Alors, je savais qu'on allait se marier, mais alors là. Comme ça, elle paraît bien, non? Alors que je la mets, c'est pas possible. C'est pas possible.
Ou alors c'est moi qui ai absolument pas de fouille pour mettre ça. Ah, mais en fait, les trucs, il faut les passer là-dedans. Vous avez qu'à rien utilisé. Ok. On teste l'autre et si j'y arrive, je vous montre celle-ci. Oui, parce que je me suis pas arrêtée là, forcément. Quand on est à fond dans le truc franchi. Quand on est à fond, on reconnaît, elle est là. Alors, ah, celle-ci, elle a l'air d'avoir un filet haut. Donc, ce qui veut dire. Ah non, le filet, il y a l'extérieur aussi. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pourquoi c'est accroché là-dedans? A few moments later. Bon, alors, la catastrophe, alors là, c'est immonde. C'est sec, malheureux. Oh, mais c'est immonde. Bien épi sur le dessus, là. Tout devant. Sérieux. C'est quoi ce délire? Ça doit être l'arrière, je pense. Ah. J'ai peur. Mais pourquoi j'ai tenté? Je ne sais même pas comment ça va. Ça repique de partout. J'ai un épi énorme, tout sec là. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? En plus, ça ne me va absolument pas. Oh l'horreur, quoi. Oh mon Dieu. En plus, je ne sais pas quoi faire de cette mèche là. Mon Dieu, c'est ignoble. C'est ignoble. Je suis désolée, hein, si vous voyez. C'est que je dois porter un élastique toute la journée, en fait. Et du coup, je suis désolée si vous voyez. J'ai plein de cheveux blonds partout, là. Il perd ses cheveux, tout. Du coup, j'ai des cheveux blonds partout. Non, mais sérieusement. Oh. Bon, je suis désolée, j'ai eu un problème de batterie. Du coup, me revoilà avec cette tête immonde là. Mais sérieusement, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne va pas du tout. Alors, soit, bon, il n'y a pas que le problème que je ne sache pas mettre les perruques. Il y a aussi cette perruque qui est ignoble déjà parce que elle est sec, malheureusement. Regarde. Si je fais ça, je suis peut-être tout seul. C'est immonde. Les trucs sont tellement secs. Mais secs. Et puis, je sais pas quoi faire de cette mèche. Je la rentre dans l'œil toutes les deux secondes. Je sais même pas comment ça va. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette période. Je ne la comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ce truc-là, il va par là. Mais ça me monte dans les yeux, c'est pas possible. Du coup, je ne comprends pas cette perruque. Et je confirme, les cheveux courts ne me vont pas. Bon, je suis désolée, j'ai laissé les miens derrière. C'est n'importe quoi ce haut-là. J'ai laissé les miens derrière, en fait. J'ai pas de quoi les attacher, claquer en fait, par des élastiques, donc finalement bah, ça tient pas. Du coup, ouais, je ne sais pas. C'est pas quoi pour cette coupe là. C'est à moi ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est les cheveux du truc tout sec là. Il y a un épi, mais je peux en oublier. Je vais faire. Allez là. Un épi est dégueulasse là. Ouais. J'ai
J'aime pas, j'aime absolument pas. C'est immonde. Le tirant dessus, là, pour ça, ça ne m'est jamais allé. Je suis contente. Je voulais tester parce que ça fait un moment que je voulais me couper les cheveux. Ça, je vais l'enlever parce que ça me gratte. Ça fait un moment que je voulais me couper les cheveux. Du coup, j'ai dit, je vais tester, mais franchement, non. Non. Ça ne va pas du tout. Ou alors, c'est la frange, peut-être. Peut-être sans frange, mais sans frange, c'est pas possible, quoi. Après, tu vois, sans mère. Ah, cette tête. Non, mais sérieux. Non, mais qui a des cheveux comme ça, quoi? Sérieux. Alors, je veux bien que voilà, mais. Ah, c'est bien, non, mais ça va. Ah, c'est ignoble, ça. Ah, c'est ignoble. Ça me dévore, c'est ignoble. Donc bon, je retesterai, et puis je vous redirai, je vous ferai un petit retour, mais en la brossant, peut-être trouver le sens de ce truc, mais regardez sur internet aussi comment on les bien, parce que là, bon, le problème c'est que j'ai jamais été douée pour m'attacher les cheveux plaqués. Ça part toujours de diabolique, dans tous les sens, donc enfin, voilà pour ce catastrophe, mais vraiment catastrophe. Là où ce canapé, je ne sais pas si elle va aller. Le gilet, c'est une catastrophe. Il est 10 fois trop grand. Le pull, je pense que je vais le porter, mais je pense pas pour sortir du coup. Parce que de base, c'est une pull pour que je puisse sortir et voilà. Les perruques, c'est une catastrophe. Donc, ben voilà. Et du coup, dites-moi à quoi sert cette boule. Je pense à rien, mais. Enfin, je pense. Et pourquoi il serait cassé la tête à mettre ça avec un élastique? Je ne sais pas. Si vous savez à quoi ça sert, dites-moi. Sinon, voilà. Tant pis. Voilà pour ce haul. Alors, je pense que vous êtes bien marrés. En tout cas, moi, je suis bien marrée. C'était une bonne catastrophe. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose qui arrive, mon père. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!